L'euro est à son plus haut niveau depuis 2 ans et demi. La monnaie unique a dépassé ce mardi le seuil de 1,20 $ pour la première fois depuis janvier 2015. La croissance dynamique en zone euro contrastant avec des inquiétudes autour des États-Unis. En début de matinée, l'euro cotait 1,2070 $ contre 1,1978 $ lundi soir. Le dollar a encore baissé ce week-end après le passage de la tempête Harvey et depuis ce mardi après le tir d'un missile nord-coréen au-dessus du Japon.